Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va faire 3 petites attaques avec ce deck. Mais avant de commencer, on va améliorer nos gardes. Et ça va faire plaisir, attention. Oh là 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 là. Alors, donc ils ont 65 points de vie, ils ont 150 points de bouclier et 54 dégâts par seconde. Ce qui est plutôt pas mal, on va voir un petit peu ce que ça donne quand ça va augmenter. Attention, on est à 71 points de vie, 165 dégâts, enfin points de bouclier et 59 dégâts par seconde, ce qui est plutôt pas mal, et 71 dégâts par coup, effectivement. Mais bon, c'est pas notre souci, nous ce qu'on veut, c'est les par seconde. Et puis voilà, donc du coup, alors le truc, c'est qu'on va attaquer du coup avec ce deck, hein. On va voir un peu ce que ça donne. Donc je peux pas l'améliorer une troisième fois, sinon je l'aurais fait, il n'y a pas de souci. Mais je peux pas l'acheter non plus. voilà, j'ai failli m'étouffer. Hein. Bon allez, moi je vous dis à tout de suite pour attaquer, c'est parti. Allez, c'est parti, on est contre un mythe qui est niveau 9, il y a intérêt parce que j'ai vraiment pas le temps, j'ai envie de me coucher tôt comme c'est pas permis, je dois faire encore du montage, bordel de merde, mais ce jeu est vraiment pas avec moi, je tombe que sur des gars, mais vraiment c'est des fils de 1, hein, tu m'as compris? Ah, je pense que tu m'as compris, voilà, non j'en ai marre, c'est cette communauté, mais de... Non mais à chaque fois ils te défoncent, hein, ils te défoncent, bah alors vraiment, mais les mecs ils savent pas jouer, tu vois, mais ils te défoncent, mais c'est tellement nul. Tellement nul. Et puis les mecs derrière ils rigolent machin. Mais c'est quoi cette communauté? Putain, tu vas tabasser quelqu'un dans la rue, le mec il va rigoler de ça. Oh putain, comment il s'est fait exploser la tête. Oh mais c'est génial. Oh mais tu dramatises. Mais je dramatise rien du tout. C'est des gangsters ces gars. C'est des gangsters. J'en sais rien. Mais c'est des musique. Il faut vraiment céder de musique, sinon tu n'arriveras jamais rien à la vie. Il faut vraiment céder de musique, sinon tu n'arriveras rien dans la vie. Allez, encore un qui va me saouler, je sens. Alors là, mon gars, mais là. Pff, allez, c'est bon, tu vas me saouler. D'où là, bien sûr, tu vas mettre ton truc à droite. Hein, voilà, histoire de bien. Hein, tu vas le mettre à gauche ou à droite? Tu vas le mettre à droite? Hein, gauche, droite. Dans tes dents, je sais pas. Gauche droite, dans tes dents. Non, mais j'essaie de rigoler parce qu'ils m'ont saoulé, ils m'ont énervé là, je te jure. Oh là là, mais franchement. Non, mais j'étais à plus de 2200 trophées, puis je suis redescendu d'un coup. Moi, c'est pas un souci, je m'en fous, je veux rester à Reine 7, j'ai même pas envie d'aller à Reine 8, parce que j'aurais encore moins de chance d'avoir mon princesse, donc imagine. Donc, attends, déjà qu'on a pas beaucoup de chance, alors si en plus je remonte d'une arène, j'ai encore moins de chance, quoi. Non, le truc, c'est juste que moi, j'ai autre chose à faire. Là, il est 21h, je dois faire du montage pour demain. Hein, je dois mettre les vidéos pour demain, donc je dois faire du montage en 12 chrono. J'ai pas le temps, j'ai pas envie de me coucher tard, parce que bon, demain je me lève à 6h quand même pour justement faire d'autres vidéos. Wow, c'est bon, hein, il y a un moment, faut arrêter quoi. Donc moi, il y a pas de souci, je veux bien perdre. Et là, franchement, j'en ai... Alors là, mais là, je m'en fous, mais de complet. Là, de perdre, je m'en fous, mais complet. Étant donné que, de toute façon, j'ai pas envie de remonter d'arène, et je sais que, de toute façon, je vais facilement rester à arène 7. Parce que déjà ils ont augmenté les trophées à 4000 au lieu de 3000, donc du coup les gens seront toujours à 4000 en fait, enfin la plupart, donc les meilleurs vont monter de trophées et du coup ça va augmenter le classement général, tu vois, donc de toute façon ça va bien passer. Mais le truc, c'est juste que, donc de toute façon c'est plus simple voilà, d'aller à arène légendaire déjà et puis à arène 7 par la même occasion. Et donc du coup, moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai vraiment autre chose à faire, quoi. C'est un truc de fou. Alors là, franchement, j'ai envie de te dire, c'est chaud. Donc du coup, on va envoyer un petit chaud de cochon à gauche parce qu'il m'a saoulé. Il m'a un petit peu énervé, on va te l'avouer. Ça passe ou pas? Ouais, c'est bon, ça passe bien. Ok, donc soit à faire. J'ai cru qu'il en avait mis deux. Mais truc de ouf que j'ai cru qu'il en avait mis deux, le mec. Attends, on va mettre les gardes. J'adore. Et les gardes sont géniales. Oh, sur celui-là, mais les gardes sont géniales. Sur le. Tu sais, le mec qui. Comme ça. Enfin bon, tu m'as compris je pense. On va envoyer petite gargouille. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? On teste hein. On sait jamais, ça peut passer. Quoique ça peut peut-être passer. Si j'ai... Oh. Yes, enfin oui. Yeah. Mais arrête. Oh là là, me fais pas ce plaisir de râler. Me fais pas ce plaisir, voyons. Oh là, garde ta dignité. Je déconne. Non, franchement, moi, je vais même pas dire... Super combat. Là, je t'avoue que super combat. Alors, le truc, c'est que je suis content, parce que... j'en ai marre. J'ai vraiment pas le temps, je suis fatigué. Bon, il y a besoin un petit peu de se dépêcher, là.
Bon. Voilà, ça va être chaud, genre. J'en peux plus. Alors, donc du coup... moi, je vous dirai tout de suite pour une deuxième attaque, parce que c'est vrai que c'est que la première. Ça fait au moins la 5 ou 6ème que je fais, mais c'est que la première. Parce que je n'aime pas mettre des gameplays où je perds. Donc forcément, qu'est-ce que je te dise? Enfin bon. Allez, moi, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti pour la deuxième attaque avec Jésus. Oh, Jésus est parmi nous, les gars. Niveau 9, le Jésus. Hein. Niveau 9. Ouais, je te croyais niveau 13, là. C'est quoi ça, là? Ah, mais non, c'est vrai que c'est Dieu, niveau 13. Ah, effectivement. Non, effectivement. Non, j'ai rien dit. Ah, j'ai... Oh! T'as vu le temps que ça a mis, là, pour mettre le molosse de lave? Mais j'y crois pas, quoi. C'est la grosse douille, ce jeu, là. Bon, alors, par contre, ça va être dur. Alors, j'aurais les gardes, là, ça serait mieux. Alors, magnifique. Il mettrait deux coups pour chaque garde, ça serait génial. Mais bon, c'est pas le cas, malheureusement. On va mettre des archers, je pense. La petite boule de feu au KLM, c'était obligé. On va mettre la horde de gargouille, ça passe. Allez, hop, ça passe. Ouais, allez, vite, vite, vite. Oh! On va mettre la horde de... Enfin, les flèches. Les flèches passent ou pas? Les flèches passent. Ça tue au moins la sorcière? Oh mais comment j'ai trop bien fait de mettre les flèches de ouf mon gars. C'est génial. C'est génial. Bon, ça a touché la tour, mais disons que c'est des flèches. C'est que des flèches, je veux dire. Donc c'est pas non plus beaucoup de dégâts, c'est moins d'une centaine, c'est pas énorme. Donc d'ailleurs, heureusement que je prends les flèches. T'imagines là, c'est là où je me dis, oh, si je prends le missile, t'imagines les dégâts que ça fait à la tour? Déjà, ça servira à rien, parce qu'au final, le missile, tu l'utilises que pour les grosses troupes. Pour le PK ça sert à rien, pour le molosse de lave ça sert à rien, donc tu utilises à la limite pour je sais pas, pour le cochon, mais bon t'imagines le coût que ça dépense, donc vraiment pour les gros, enfin c'est quand il y a un gros masse de troupes tu vois, mais le problème c'est que c'est pas tous les jours qu'il y a un gros masse de troupes tu vois, j'ai envie de te dire, c'est pas il est pas pour autant con le mec là, j'ai envie de te dire que là le mec il sait comment attaquer quand même un minimum, moi j'aurais plus pris le géant mais j'avoue que là c'est vrai que c'est pas pour autant mal joué. C'est pas pour autant mal joué, c'est vrai que c'est pas... Bah ouais, étant donné que t'envoies ton PK, puis derrière, le mec, soit il défend le PK, soit il défend le ballon, hein. Et donc, dans les deux cas, généralement, ça passe bien, tu vois. Mais bon, disons qu'il est tombé sur quelqu'un qui est plutôt puissant avec son deck. Et donc, du coup, bah, ça sert pas à grand-chose ce qu'il fait. Mais c'est pas très grave. Alors, on va essayer d'envoyer des... Des hordes de gargouilles, tiens. Des hordes de gargouilles, ça va bien passer. Et ben, j'ai plutôt bien fait de le faire. On va attendre qu'il tire ses flèches et on va tirer les gargouilles, non? Il tire pas ses flèches? Il tire pas ses flèches? T'es sérieux gros? Tu tires pas tes flèches? Mais t'es génial! Mais t'es génial! Mais t'es génial mon gars! Tu tires pas tes flèches, t'es génial! Mais j'y crois pas, mais c'est génial. Alors là, t'es génial. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre de la petite Valkyrie, des gargouilles. Et normalement, ça devrait plutôt bien passer. Ça passe? Allez, on va mettre les gardes. Tranquillou, ça devrait le faire aussi. Voilà, ça passe. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris pourquoi il est revenu en arrière l'autre. Le garde est revenu en arrière quoi. Mais j'y crois pas. C'est génial. C'est génial ce jeu dis donc. Non, mais franchement c'est tellement bien fait. Alors ce qu'on va faire, on va envoyer ça. Normalement ça devrait faire un bon petit dégât. Voilà. On va mettre des petites archers. Ça passe. Oh j'ai gagné. Oh j'ai gagné de ouf. Mais je m'y attendais pas. J'avais oublié que j'avais tiré une tour. J'avais oublié. Ah c'est génial. T'aurais dû aller sur la tour de gauche mon gars. T'es fou toi. Il est fou. Il pouvait aller sur la tour de droite. Enfin bon. Il aurait dû essayer d'aller sur la tour de gauche, tu vois, tenter quand même un petit peu le coup de poker, tu vois, mais bon, c'est pas très grave. D'un côté aussi, là, c'est un coup de poker d'aller sur la tour de droite, effectivement, mais bon, ça reste moins dangereux que s'il allait sur la tour de gauche. Enfin bon, moi, je vous dis à tout de suite pour une troisième attaque, je pense qu'il y a moyen de faire du boulot, et donc du coup, moi, je vous dis à tout de suite, il est déjà 21h, c'est tout? Ah bah finalement tout à l'heure il était pas 21h. Bon c'était il y a 5 minutes donc je vous ai pas trop monté non plus. Et donc du coup moi je vous dis à tout de suite pour le troisième attaque, c'est parti. Ça c'est le réveil le matin ça. Y'a rien de mieux mon petit. Et c'est parti, on est contre Sadeg H qui est niveau 9, ce qui fait plaisir. Alors je me suis un petit peu rendu compte, juste un tout petit peu hein, mais vraiment, vraiment que dalle, genre vraiment une miette de pain, tu vois, c'est pas énorme, tu vois. Je me suis un petit peu rendu compte que on n'a pas vraiment regardé en soi les gardes. On n'a pas vraiment dit ce qu'on en pensait, on n'a pas, tu vois, on n'a pas papoté quoi. Donc c'est vrai que les gardes sont plutôt pas mal en défense sur tout ce qui est PK. Mini PK et tout le machin quoi hein. Franchement c'est plutôt pas mal pour bien défendre. Et franchement j'ai envie de dire ça fait plaisir. Bah ouais ça fait plaisir, c'est normal.
c'est comme ça. Ouh, attends, attends. C'est bon? Nickel. Ok, attends, comment ça se fait? J'ai fait des dégâts à gauche? Avec quoi j'ai fait des dégâts? Attends, que je me remémore. J'avais des gargouilles. Et j'avais... J'avais une Valkyrie. J'avais une Valkyrie. Ok, ouais, donc effectivement, c'est vrai que ça fait un petit peu de dégâts. Bon, monsieur est vraiment prêt à casser ma tour de gauche, lui, hein, et... Ok, ok, d'accord, pas de soucis. Non, mais je comprends ton point de vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer de la Valkyrie. On va envoyer de la Valkyrie, voilà, on va la mettre bien en retrait, histoire qu'elle qu'elle se fasse pas trop non plus exploser. Ça passe? Allez, ça passe pas. J'allais dire, allez, ça passe, mais... non, finalement, c'est pas non plus extrêmement bien passé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est bon? Il va mettre sa horde de gargouille, c'est obligé, moi j'ai pas les flèches. Finalement non, et là ça passe bien ou pas? Oh! Oh, ça l'a même pas touché, sérieux quoi. Bon, c'est pas très grave. On va... Ouh, on est à peu près à égalité là au niveau des points de vie, hein, ça fait plaisir. On va tenter de mettre du cochon, hein, parce qu'il m'a saoulé, hein, voilà, on est d'accord. Il m'a saoulé, bon bah c'est très simple aussi, on va aller à gauche aussi. Ouais, on va aller à gauche parce qu'il m'a saoulé aussi. Au moins ça me permettra du coup de peut-être lui casser sa tour de gauche, on sait jamais. On sait jamais, moi je dis ça comme ça, après bon, c'est une petite possibilité. Alors là j'envoie des flèches, c'est obligé. Là j'envoie des flèches, c'est obligé. Gros, t'es sérieux? Oh là là. Bon, ah là j'envoie des flèches, j'envoie des flèches, j'envoie des flèches. Vite, 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 go, 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 go. Ouais, c'est bon, flèche. On va mettre des cochons, cochons, on met du cochon, on met du cochon, on met du cochon. Non, on met du cochon. Oh là là, et la horde de gargouille qui arrive derrière, et la horde de gargouille qui arrive derrière. Il a cru qu'il pouvait tuer, mais... Oh là 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 là, mais quel retournement de situation! Mais quel retournement de situation, mon petit! Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir, on lui pète la tête. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Oh là là, et là, on va lui prendre le deuxième tour, les gars. Mais si, on est chaud, nous. On lui prend le deuxième tour direct. On va envoyer... Tu joues à ça, toi? Tu joues à ça? Je te jure. Oh là 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 là, franchement. Eh, les gens, ils savent plus jouer, quoi. Ils savent plus jouer. Ils savent plus utiliser à la limite du cochon, tu vois. À la limite. Bon, de toute façon, ta tour, elle est morte, moi. De toute façon, ta tour, elle est morte, mon petit. Allez, hop, salut. Ouais, mais bon, les gens, ils savent plus utiliser, tu vois. Genre, je sais pas, des troupes, hein. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, tu utilises des troupes pour finir. Enfin, pour finir une tour, tu utilises des troupes, quoi. Grand maximum, le cochon. Mais si tu commences à faire du cochon gel pour finir une tour, mais alors là, mais t'es le pire, mais le pire, le pire, mon gars. Bon, non, et le pire, c'est ceux qui envoient des flèches. Enfin, peut-être pas des flèches non plus. Disons que ça dépend dans quelle situation, mais ceux qui envoient des boules de feu, des missiles, c'est vraiment les... Ça, c'est les pires, ça, parce que tu peux rien faire contre, donc forcément. Mais bon, du moment où t'envoies, je sais pas, des archers, ne serait-ce que des archers, ou même des gobelins, ou même un cochon, vraiment, un cochon, à la limite. C'est vrai que c'est quand même, c'est pas non plus sympathique, faut pas non plus trop exagérer avec le cochon. Mais disons que ça passe parce que tu peux quand même un minimum le contrer. Il suffit que tu mettes par exemple des barbares, ou il suffit que tu mettes des squelettes là, les 21 squelettes, et normalement ils touchent pas ta tour. Donc c'est vrai que ça peut se contrer. Donc à la limite ça va. Mais bon, il faut pas que j'exagère non plus, tu vois. Voilà, hein. Et ça reste quand même quelque chose de... Enfin bon, on a terminé sur ces trois attaques et ça, ça fait plaisir. Bon bah du coup, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, moi? Hein? J'ai envie de vous dire que ce deck est... Ça va, ça va. Mais bon, hein, je vais pas continuer avec les gardes. Quoi que... Ah, c'est vrai que les gardes, ça donne un truc, quoi. Allez, je garde le garde. Petit jeu de mots. Enfin, c'est même pas un jeu de mots, c'est un... C'est en fait, c'est un peu un truc vraiment un peu saoulant à dire, hein. Tu vois, on garde les gardes, tu vois. Enfin, t'as du mal à le dire, on garde les gardes, tu vois, enfin... Tu vois, on garde les gardes, ça fait bizarre. Enfin, laisse tomber. Allez, on va se quitter là parce que je suis vraiment fatigué. Moi, j'arrête pour ce soir. Je vais tenter de faire du montage vidéo le plus vite possible. Enfin, le plus vite, entre guillemets. Hein. Je suis pas non plus une compétition, mais je vais tenter pour essayer de me coucher pas très tard non plus, quoi. J'en peux plus. Allez, moi, je vous laisse sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Ce deck est plutôt pas mal. On va garder ça. Normalement, je vais le sortir de rage, mais on va garder ça. Et puis voilà. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.